J'ai commencé. En fait, j'aimais beaucoup la techno. J'écoutais pas du tout de trance avant. J'ai découvert la techno, tribe, drum and bass, hardcore en free party. Du coup, je trouvais ça intéressant. J'allais en soirée. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à essayer de mixer. Et puis, avec des amis, on a acheté un peu de matériel. On a commencé à organiser des soirées. Puis là, le live, ça m'a intéressé un peu plus de composer les morceaux. Donc j'ai commencé comme ça. Puis au bout de 5-6 ans, j'en ai eu un peu marre, donc j'ai arrêté. Et finalement, 3-4 ans après, je crois, j'ai redécouvert la trance. Ça m'a redonné envie de m'y remettre. Donc oui, je m'appelle Lou, DJ Toltec, c'est mon nom de scène, et je m'occupe du label Morphonic Records, donc un label que l'on a créé il y a une dizaine d'années autour de Paris. Alors, moi c'est Edwin, alias Sonokaïn, nom de scène. Ça fait depuis 12 ans que je suis dans le son et que je fais des organisations de free party. Je suis rentré avec Morphonic Records, avec Lou et d'autres personnes depuis bientôt un an dans le label. Ça fait un an maintenant. Voilà. Étiqueté DJ Trance. En gros, pour résumer vite fait, en 92, je suis tombé dans la musique électronique après une enfance passée à jouer du piano et une adolescence à écouter du punk et du hard. Et je suis tombé dans la musique électronique par les soirées rave party qui étaient tout nouveaux à l'époque. Dès la première année, j'ai voulu devenir DJ. Je suis devenu DJ. Donc 93-94, j'étais résident au Rex Club. Et puis 95, j'ai rencontré des producteurs qui faisaient un peu plus de. C'était de la dance house à l'époque, Robert Miles, Dream, enfin tout ça. Et on est devenus potes. Je leur ai dit que je voulais composer, que j'avais une base musicale déjà. Et donc ils m'ont appris à me servir d'un ordinateur, comment transposer mon savoir du piano à l'ordinateur, en gros. Et puis de fil en aiguille, voilà, 25 ans plus tard. Disons que je fais partie du paysage de ce style musical et je passe les week-ends, mes week-ends à jouer ma musique partout, à droite, à gauche, quoi. Pourquoi ça t'a intéressé du coup la trance psychédélique? Ça m'a intéressé parce que je trouvais que c'était quand même assez travaillé. Enfin, les productions que je découvrais à l'époque, je trouvais ça quand même assez travaillé par rapport à. C'est pas un jugement qualitatif, mais disons que la tribe, le hardcore, la techno, c'était de la musique faite sur le tas. Donc on pouvait pas atteindre un niveau de production aussi complexe que. Enfin la trance, j'ai trouvé que c'était vraiment poussé dans la complexité du son. Bah déjà, la trance psychédélique, avant qu'elle m'attire, j'étais attiré par la trance Goa.
C'est-à-dire que la trance psychédélique, c'est qu'un nom qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il y a très peu de temps finalement. Donc j'allais en soirée au tout début, mes potes m'ont amené dans des soirées. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool, j'aimais bien, mais je continuais à penser que la musique électronique, c'était un petit peu plus du bruit que de la musique. Jusqu'à ce que j'entende je ne sais plus exactement quand, je dirais fin 92, début 93, un pote qui allait à Londres qui m'a ramené des vinyles. Et dedans, il y avait ce vinyle de Juno Reactor qui s'appelait Proton's High Energy. Et en fait, c'est vraiment le morceau qui m'a donné le déclic. Bon, j'étais déjà DJ, et puis ça marchait pas mal en plus. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé avec ce morceau le style que je voulais faire. Pourquoi ? Parce que ça, c'était de la vraie musique. C'était pas juste des sons, des bruits ou alors trois notes de piano jouées sur un doigt. Là, il y avait vraiment des harmonies, des progressions d'accords. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et donc je sais que ce morceau m'a fait le déclic et que j'ai voulu en faire entre guillemets ma vie. Et donc aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la trance psychédélique ? Quand on te parle de trance, qu'est-ce que ça t'évoque du coup ? Alors la trance, c'est assez dur. La trance, c'est assez large. C'est très très large. Quand on met le terme psychédélique, j'attends que ça soit quelque chose qui titille l'esprit un petit peu plus. C'est pas de la pop, quoi. Faut qu'il y ait une invitation au voyage mental, quoi. Ce qu'on appelle aujourd'hui la trance psychédélique, en tout cas, ce que moi je considère, parce que encore une fois, le mot psychédélique, selon les pays, ça veut pas dire exactement la même chose, hein, comment les jeunes l'entendent. Mais pour moi, en tout cas, la trance psychédélique, c'est une trance qui est censée, comme j'ai dit, faire voyager l'esprit. C'est une trance que quand tu l'écoutes, tu as des images qui te viennent en tête, alors qu'il n'y a pas de parole pour te dire quoi penser. Alors, la trance psychédélique, c'est un vaste sujet parce que ça dépasse le côté musical classique, je dirais. C'est, je pense, c'est peut-être un peu pompeux, mais un art de vivre, dans le sens où vraiment il y a toute une culture qui s'est créée et qui s'est développée autour de cette musique et autour des fêtes qui connectent les gens au travers du son, des lumières et tout ce que l'on retrouve au niveau des soirées. Ouais, de la mode vestimentaire aussi, de plein de choses. Hein. C'est vrai que ça s'est ultra développé depuis, ça fait bien 15 ans maintenant qu'il y a des grosses, grosses soirées transcadéliques, je pense, un peu partout en Europe. Surtout autour des grosses capitales aussi, ou vers les plages. Où est-ce que comment tu situerais la trance psychée dans tout ça au niveau des origines, où ça a commencé, comment ça s'est développé? Alors, moi j'étais pas là quand ça a commencé, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était un peu sur les plages en Inde, les premières Goa parties, on appelle ça, avec. Je pense que c'est lié aussi au matériel, les premières 303 ou les sonorités acides. Et qu'on voulait faire des espèces de longs morceaux de 6-7 minutes, un peu planant, un peu qui amène justement dans un état de transe, donc un peu psychédélique, qui sort un peu du format radio, edit, 3 minutes, couplet, chanson, refrain. Donc c'était au départ les fêtes hippies à Goa dans années 60-70, soit peut-être 70. Et par la suite, les influences électroniques, les gens, comme Goa était un endroit où tout le monde entier passait, les travelers, chacun amène ses influences, chacun amène ses sonorités. C'était l'époque où la musique électronique commençait, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre. Et donc ça s'est mélangé avec le noyau dur hippie qui était sur Goa. Et les influences indiennes, percussions. Donc ça a fait une sorte de melting pot sur place. Donc les premières fêtes sur la plage là-bas, avec 30 personnes, puis 300, puis ça a grossi.
Donc, je pense que un des points de départ, c'est Goa. C'est du fait justement que ça a commencé en étant du trans Goa. Mais nourri, voilà, toujours pareil, des influences quand même électroniques qui se développaient un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et voilà, le mélange entre le rock psychédélique des hippies et les boîtes à rythme européennes et américaines voilà, a commencé à lancer ce genre de soirée. Et puis ensuite, chacun l'a importé dans son propre pays au retour de voyage. Et ça a fait des petits. Ça commence avec Pink Floyd, One of These Days, qui est un morceau qui a été fait en 1974. Et pour la faire très courte, ma mère était enceinte de moi, elle écoutait ce morceau tous les jours 24/24. Je l'ai trouvé ce morceau quand j'étais adolescent sur un de ses vinyles. Je lui ai fait écouter en disant que vraiment j'adorais, je me le mettais sur, je me rappelle, j'avais une cassette audio pour aller à l'école, face A, face B, c'était le même morceau. Et c'est un morceau qui est, si tu l'écoutes encore maintenant, vraiment très similaire à la trance, hein. C'est électronique. Il y a des sons, c'est pas des guitares, c'est des synthés. Il y a très peu de paroles, il y a juste dans le break du milieu une voix un peu bizarre qui dit « I will cut you in little pieces », mais bon, ça je comprenais pas à l'époque. Mais en tout cas, ce morceau m'a marqué avant même que je connaisse la musique électronique et jusqu'à aujourd'hui, je considère que c'est un des premiers morceaux de trance qui existent. Hein. Avec Michael Field, Tubular Bells, ou 2-3 Jean-Michel Jarre, ou Vangelis. Enfin, si on parle de cette époque, la trance a commencé avant la trance pour moi. Mais pour toi, c'est voilà, c'est de la. Ça mais le déclic, c'est la trance Goa 93, Juno Reactor, Man With No Name. Si on parle label, Dragonfly, T.I.P., Blue Room. Voilà, c'était le déclic parce que c'était enfin de la musique électronique avec de la vraie musique dedans. Il faut être musicien pour faire ça. Il faut pas juste savoir appuyer sur des. Enfin bon. Je caricature bien sûr, mais voilà, c'est ça qui a fait le déclic par rapport à la trance. Quand je comparais à la house, au hardcore, à la techno de l'époque en tout cas, où je trouvais que c'était pas de la, en tout cas de la belle musique, la trance c'était beau. Donc c'est ce que je voulais faire. Pour moi, c'est vachement philosophique parce que oui, pour moi ça peut remonter aux tribus. Enfin, je pense que la première trance psychédélique, c'est effectivement les tribus qui faisaient des chants religieux ou pas, mais des chants en groupe qui les amenaient avec quelque chose d'assez répétitif, mais en même temps, qu'il y avait une volonté de se mettre dans une trance au sens propre du terme. Donc je pense que c'est ça l'origine absolue de la trance psychédélique. Et après, quand les machines, la musique électronique est arrivée, on a essayé de retrouver cette chose-là. Mais c'est difficile à dire précisément. C'est très vague quand même. On retrouve un petit peu le même genre donc de trance. Et la trance avec un S, vraiment la trance originelle, des tribus, des chamans, on retrouve tout ça aussi au sein des soirées, du fait de la musique répétitive, à la manière du chaman qui tape sur son tambour pendant des heures et qui met en trance toute la tribu. De la même façon, le DJ envoie des sons répétitifs, le kick bass qui ne s'arrête jamais entre guillemets. Et tout ça crée un univers sonore et physique. Ça, on ressent la musique physiquement. Et les gens, de la même façon, vont se mettre à danser de manière répétitive. Et on retrouve vraiment l'esprit des cérémonies chamaniques et ce genre de choses qu'on va pas retrouver en Afrique, en Amérique du Sud.
la base simple, c'est la Goa Trance, okay, dont on a parlé, qui est née avec dans les années début 90, un courant musical plutôt avec des mélodies orientales et tout ça, et plutôt musical par rapport aux autres musiques électroniques de l'époque, aux autres styles. Donc c'est ça. Mais encore une fois, le vrai, vrai, vrai début de la trance psychédélique, pour moi, c'est la trance tribale des tribus d'Afrique quand les percussions sont nées. C'est ça le début de la trance. Après, c'est juste l'évolution de la musique qui a fait que maintenant on utilise des synthés et tout ça, et que moi tout seul, je puisse faire à moi tout seul un groupe avec 60 sons qui jouent en même temps. C'est ça, en fait, qui a fait la différence. Moi, je pense que si Mozart revenait, il ferait de la musique électronique. On a d'un côté donc la trance qui a vraiment un effet d'extase, et le psychédélisme qui a cette idée plutôt de faire voyager. Pour vous, c'est quoi justement la différence entre les deux qui sont justement très proches, s'il y en a une? C'est deux effets différents, mais c'est, pour moi, il n'y a pas réellement de différence. Tout tend vers le côté unité, dissolution de l'ego, et donc c'est des moyens différents, donc ça va être la répétition, ça va être l'évolution progressive de sonorité, que ce soit de guitare et donc maintenant de synthétiseur, mais c'est toujours le côté oublier un petit peu l'ordinateur mental qui fonctionne en permanence dans la culture actuelle, dans la société actuelle. Il y a un de mes albums qui s'appelle Psychedelic Trance, qui est un de mes derniers albums, il y a quelques années maintenant en tout cas, mais un de ceux qui ont bien marché. Si tu as le vrai CD en tout cas, tu ouvres le booklet qu'il y a dedans, et les premiers mots, c'est la définition de psychédélique et la définition de trance. Et j'ai trouvé important parce que trance, ça veut dire un peu pareil, un peu tout et n'importe quoi, mais il y a quand même une définition là-dedans. Et donc la trance psychédélique, c'est ce qui allie les deux. Et donc c'est une musique pour moi qui est censée faire voyager l'esprit plus qu'une autre. Ouais, c'est une manière en fait pour la plupart des gens de se déconnecter un peu son cerveau, je pense, tu vois, sans vraiment y penser, ton corps il doit se dire « Ah, enfin de la musique, j'ai plus à penser, j'ai juste à écouter du bon son et à me laisser aller. » Être dans l'instant. Ouais, voilà. On est là maintenant, tous ensemble, on se connaît pas. Et en même temps, on est là. Ouais, et pour parler justement, tu disais la différence entre les deux, entre la trance psychédélique et... Enfin, entre le psychédélisme et la trance, justement, pour moi, c'est que la trance, tu vas être justement, c'est le truc où tu fermes les yeux, t'es là, tu kiffes la musique. Et tu vois, tout ce qui est boucle psychédélique, ça peut... C'est un peu le truc, tu sais, ça va te rendre fou, tu vois, t'es là... Tu sais, il y en a certains qui tripent trop avec les effets sur le son, qui sont en train de chercher les bruits avec leurs mains, tu vois, quand ils dansent. Ça, c'est un peu... ça rend fou, quoi. T'as envie de sauter partout et tout ça. Je vais me servir d'internet pour imager ce que je te disais tout à l'heure, ou comment est née la trance. Alors, je vais pas partir en Afrique dans les trucs tribales dont on a parlé, tribaux. Ce morceau de Pink Floyd qui a été fait en 1973 et sorti en 74, je crois. Ah bah non, soit 71. Pouf. Alors, 74, ça devait être l'édition du vinyle que moi j'avais. Donc ça a été fait en 71, donc j'étais même pas né, il n'y avait pas de trance, ça n'existait pas, la trance, il n'y a rien qui s'appelait comme ça. Bon, je suis désolé. Il y a une basse. Il n'y a pas de parole. Tu vois, il y a du vent derrière en plus, qui était à l'époque, c'est du sampling. Là, le son qu'on vient d'entendre, c'est des synthés, c'est pas, tu vois, c'est pas une guitare. En plus, il y avait un son à l'envers. Je veux dire... C'est quand même les précurseurs de la musique électronique, hein, Pink Floyd, pour moi. Hein. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et donc là, j'attends, bon, Internet est un peu lent l'après-midi. Et quand ça va partir, pour moi, c'est comme de la trance. C'est-à-dire, si tu rajoutes le boom-boom, voilà, là, on a le break planant. Voilà, mais là, ça va partir. Pour moi, ça, là, ce qu'on entend, c'est la même chose que les gens qui dansent dans les soirées sur de la trance, ils font la même chose, quoi. Tu vois, pour moi, c'est la trance. Donc le début de la trance, électronique en tout cas, parce que trance psychédélique, c'est ça le début, le rock psychédélique, forcément.
Et après, après, on tombe dans Jean-Michel Jarre, Vengé. Qu'elle a pas mal évolué, c'est-à-dire que il y a 10 ans, il y avait, on va dire, un grand courant majoritaire de trans psychédélique. On parle pas de Goa, de Full On ou quoi que ce soit, mais et maintenant, quand tu écoutes la trans psychédélique, quand tu dis, par exemple, la psy-trans, c'est la trans psychédélique, mais c'est vachement plus, ça se rapproche vachement plus de l'électro et de la minimale. Il y a beaucoup plus de notes de certains styles qui ont été ajoutées dans cette trans psychédélique et qui l'a fait évoluer. Donc tu peux avoir des trucs super récents en trans psychédélique, je pense à certains morceaux de Vinny Vici ou d'autres de Ace Ventura ou quoi, et d'autres beaucoup plus, old school ou beaucoup plus brut, comme le vrai style, comme il s'était créé à la base il y a 10-15 ans. Le son s'est enrichi des différentes influences de musique électronique. Voilà. Parti d'un son très, très mélodique et très chargé avec la trans Goa, pour partir sur vraiment plein de styles différents, donc plus minimal. Ça a créé pas mal de nouveaux styles. Ça s'est enrichi vraiment au fur et à mesure des années. Et maintenant, il y a énormément de sous-genres, ce qui n'existait pas au départ. Il y en a au moins, je crois, au moins 15 ou 20, si je dis pas de conneries. Enfin, vraiment de sous-genres définis en termes vraiment que les gens utilisent tout le temps. Quoi. Après, chacun a un petit peu sa définition des genres. C'est toujours compliqué. Ouais, voilà. C'est où s'arrête la psy-trans, où s'arrête la full-on, où s'arrête la minimale. Moi, les mots, tous les 5 ou tous les 7 ans, ils changent. Moi, je considère que je fais toujours le même style. Pourquoi ? Parce que je suis toujours à la même vitesse. Ma vitesse, en gros, en tout cas, t'as la masca, ça a toujours été entre 140 et 145 en moyenne, BPM. Et donc, je pense que c'est plus comme ça qu'on définit les styles musicaux, par la vitesse. Il y a les définitions des différents styles musicaux au sein de la psy-trans. Il y a déjà la vitesse qui joue énormément, c'est-à-dire les BPM, le nombre de pulsations par minute, puisqu'on va partir de sons autour de 130 BPM, relativement léger, on va dire, jusqu'à... il n'y a presque pas de limite, quoi. 180 BPM, où là c'est beaucoup plus dur. Et... Donc ça, déjà, ça définit quand même pas mal les différents styles musicaux. Puis ensuite, ça va être vraiment au niveau des recherches de sons que l'on va retrouver dans les morceaux. Certains sons plutôt ethniques, certains sons plutôt industriels. De cette manière-là, on va pouvoir classer un petit peu les morceaux. Mais toujours pareil, en général, tout est mélangé, c'est ouvert quand même comme musique. Donc ça va se nourrir d'un sample de film, ça va récupérer un petit son dans un film, dans des percussions d'Afrique. Et tout ça va créer le morceau lui-même. Il y a aujourd'hui, maintenant, ce qu'on appelle un phénomène de glocalisation, c'est-à-dire qu'on part de grandes bases, donc on globalise, et après on localise justement chaque style. Donc par exemple le métal, on a commencé à différencier donc le hard rock, si on peut appeler ça du métal, le glam metal, le metalcore, etc. Et on a recommencé à faire des petites cases, donc par exemple sur le folk metal, il y a eu le pirate metal, etc. etc. Et dans la trance, il y a aussi un peu ce phénomène-là. Qu'est-ce que tu en penses justement de tout ça ? Le fait d'avoir tant de styles et de sous-genres et tout ça dans chaque style, c'est quelque chose qui est normal dans la musique. Une musique, soit elle évolue, soit elle meurt. Le punk, c'est mort. Dis-moi un groupe punk de maintenant, là. Ça existe encore, le punk, punk ? Les Bad Pelicans. Ouais, ok. Il y en a. Mais on va voir la carrière qu'ils vont faire. Le punk, c'est quand même un peu mort. C'est-à-dire que, quel que soit le style, on peut prendre le Charleston dans les années 30, le punk dans les années 80, ces deux styles qui n'ont pas évolué, c'était vraiment un style bien précis avec leur code et tout. Le style n'a pas évolué, alors tu as peut-être quelques réfractaires qui continuent à en écouter, mais dans l'ensemble, en général, étant donné que ça n'a pas évolué, ça a mal vieilli. Je veux dire, j'adore les Sex Pistols, je suis un ancien fan, mais enfin bon, si ça sortait maintenant, Nevermind de bollocks, quoi. Tu vois ? Moi, je trouve ça assez beau dans l'ensemble qu'il y ait une palette très très large. Après, forcément, ça crée des clivages, des groupes, des gens qui se taillent un peu les uns les autres. Mais bon, je pense que ça reste bon enfant. Mais c'est pas évident.
Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de soirées qui essayent de mélanger tous les styles. Et il y a tellement de styles que sur une soirée, ça fait qu'on passe vraiment vite fait d'un style à l'autre. Et ça ne va pas nous amener dans la trance, je pense. Je pense qu'il vaut mieux avoir des soirées qui s'étalent sur 2-3 styles où on a le temps de pouvoir approfondir tel ou tel style. Enfin, ça se fait aussi, d'ailleurs, maintenant, il y a souvent des soirées prog, des soirées dark aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de combiner tous les styles en une soirée. Trans psychédélique, bon, trans goa, peu importe. C'est vrai que selon les pays, l'approche n'est pas la même. J'ai joué un petit peu partout sur la planète. Et si je compare en allant d'un extrême à l'autre, alors par exemple en Corée, du Sud, hein, forcément, en Corée, c'est vraiment dans le club où tu joues ce soir de la trans psychédélique, demain ce sera de l'EDM et puis après-demain de la house et ce sera les mêmes gens et ils seront habillés pareil, tu vois, eux ils vont dans une soirée, hop, il n'y a pas de mouvement culturel, etc. Moi je me rappelle d'une époque où on voyait sur le même plateau Sonic, Manu le Malin et à l'époque c'est Manu le Malin, un DJ hardcore qui m'a appris à mixer. La petite histoire c'est que c'était mon pion à l'école, on s'est retrouvés en teuf. Et il m'a appris à mixer, quoi, tout simplement. Et donc maintenant, quand on se recroise, comme à la Dream Nation l'année dernière, ou des trucs comme ça, on se remémore toujours ces moments-là. Mais à l'époque, DJ Sonic, qui était connu à l'époque, alors de toute façon par Garnier, puisque lui, il l'est resté, Garnier, Manu le Malin hardcore, Garnier, House, et moi, trans, on pouvait jouer dans la même soirée. Ça n'existe plus en France maintenant. T'as une soirée trans, une soirée techno, une soirée house, ou alors une soirée avec trois plateaux différents. Mais au Brésil, par exemple, où ils font des soirées de 50 000 personnes, c'est encore tout mélangé. Je veux dire, ils ont quand même une certaine cohérence au niveau du line-up. C'est pas 12 heures du même style musical. Ils sont des fois un petit peu plus malins que nous, dans le sens où la soirée elle va commencer cool, dans la nuit ça va taper plus, le matin ça va devenir plus transi, et puis après la trance, la prog, et puis là il va faire chaud la journée. Donc la journée on va se diriger vers la prog minimale, et puis ça va finir à 6 heures, les gens ils sont morts, ok, c'est électro à 120 quoi. Il y a une cohérence. Et du coup, les gens, ils peuvent aimer plusieurs styles différents. Tu vois, et les soirées deviennent de plus en plus grosses parce que t'aimes pas lui, ok, ça dure une heure et demie. Au pire, t'aimes pas ce style, ok, il y en a pour 3 heures. Mais le reste, t'aimes. Ou tu vas aimer. Ou au moins, même si t'aimes pas, de toute façon, ça va avec l'ambiance de la soirée et puis t'es habitué à ça. Et donc, je trouve ça plus intelligent que ce que nous, on a fait en Europe parce qu'on est... on a eu dès le début tous les genres musicaux en Europe. On avait du hardcore, du gabber, du garage, acid house. Je veux dire, au Japon, en Afrique du Sud ou au Brésil, en 95, il y avait house, techno ou trance, point. Ça n'existait pas, le hardcore, drum and bass, jungle, ça n'existait pas. Okay, il y avait 3 styles et donc nous, on était le style hard. En gros, la trance. Et maintenant, dans ces pays où c'est encore mélangé, les soirées grossissent et dans les pays comme principalement l'Europe, où c'est devenu de plus en plus pointu, de plus en plus pointilleux sur le style, finalement, on se divise. Et les soirées deviennent... Alors bien sûr, il y a des gros événements avec plusieurs plateaux où là, tout le monde se réunit, fraternité, musique électronique, la parade, génial. Mais au final, tous les week-ends, les soirées sont plus petites qu'avant. Je te parlais du morceau qui, moi, personnellement, m'a plongé dans la trance. Réacteur, Proton, High Energy. C'est ce morceau-là. C'est le premier morceau en fait que j'ai entendu. Tu vois, il y a une nappe que je vais essayer de trouver rapidement. Où je me suis dit, c'est de la vraie musique. On n'est plus dans du bruit, du boom boom, et tu vois, et juste des rêves partis là. Là, on est dans de la vraie musique. J'avance un petit peu. Voilà, ça par exemple, ce qui va arriver, la nappe qui va arriver, la première fois que je l'ai entendu, c'était révélation quoi. Je me suis dit, on peut faire de la vraie musique. Il y a un côté, pas parler trop mystique et tout, mais en tout cas, il y a un côté musical qu'il n'y avait pas à l'époque en 92. La techno, c'était très boum, 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 une basse, il n'y avait pas de mélodie comme ça. Donc ça a été révélation un peu. D'où l'idée pour moi, 25 ans plus tard, de faire un album là que je sors d'ici un mois. Alors je sais pas quand,
Ouais, mais qui va sortir juin 2017, je pense, Brief History of Goa Trance, où je, en fait, je recense, j'ai recensé les, mes morceaux préférés de mes groupes préférés de la trance Goa de l'époque, que j'ai traduit à la trance de maintenant, donc de, que certains qualifieront de trance psychédélique, mais pour moi, c'est la trance Goa, juste qu'ils sont venus. Alors là, je viens de faire écouter le passage précis de Juno Reactor en question. Bah, vu que ce morceau, c'est un de ceux qui m'a marqué, forcément dans cet album, je l'ai repris pour remixer. Donc la même chose mixée maintenant. Et hop, tu vas comprendre la différence. Voilà, donc en gros, là, c'est le même morceau que je viens de faire. La même nappe, alors c'est peut-être pas la même tonalité, mais... Hein. Mais là où je veux en venir, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, c'est que la production, la musique c'est la même. Je veux dire, j'ai recopié la nappe avec l'accord, maintenant je suis... C'est tous mes amis à force. Donc j'ai eu l'accord de tout le monde, j'ai refait les mélodies les mêmes et tout. Sauf que voilà, la production, tu vois... c'est plus clean, hein. J'espère que ça va s'entendre à la caméra. C'est beaucoup plus propre parce que, encore une fois, c'est une musique technologique, la technologie évolue. Donc notre musique évolue avec la technologie. Et en vrai, ça évolue pas musicalement. Faut comprendre un truc. Ok, bon, on prononce ce son-là, c'est peut-être pas le mieux. Laisse-moi trouver un son un peu écoutable. Voilà, très bien. X-Files, waouh. Dans une gamme, il n'y a que 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il n'y en a pas d'autres. Alors après, oui, des fois, il y a des noirs parce que c'est des gammes différentes. Mais n'empêche que ce mi-là, peut-être qu'il est bémol. C'est comme ça qu'on appelle la noire d'avant. Donc ce mi, normalement, le mi, il est là. Dans ma gamme ici, je le joue bémol. Bon, pour toi, c'est facile parce que tu es musicien. Mais pour le profane, ça, déjà, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que 7 notes. On fait de la musique depuis des milliers d'années sur 7 notes, à part les Indiens, les Arabes qui ont des quarts de ton et tout. Mais en tout cas, en Europe, on a 7 notes. Et avec cette note, il faut qu'on crée des nouvelles mélodies. Ça n'existe pas, les nouvelles mélodies. C'est impossible que sur une seule mesure, donc avec quatre temps, boum, schlag, boum, schlag, sur cette période-là, il est impossible que je crée une mélodie qui n'a jamais été faite. Mathématiquement, c'est improbable, impossible, ok? Donc, la musique de maintenant, elle n'évolue pas musicalement. On connaît toutes les fréquences, il n'y a pas de nouvelles notes. Enfin, je veux dire, on peut faire des quarts de ton si on veut. On peut couper entre le fa et le fa dièse. On peut encore rajouter, couper en deux. Mais bon, la fréquence ne sera pas pure. Donc des notes, il n'y en a pas d'autres. On les a trouvées. On en a sept. Il faut faire des mélodies avec. On ne pourra pas trouver des nouvelles. Ce qui va changer maintenant, c'est le son. Je pense que ce qui a influencé dans le phénomène trans, enfin ce qui a été influencé dans le phénomène trans par rapport à la musique, c'est que la musique électronique, c'est une musique technologique. Le meilleur pianiste du monde, ok, je le prends dans le studio, j'enregistre ce qu'il joue au piano, le truc qu'il a fait toute sa vie, le même morceau, je l'enregistre, je suis sûr à 100% que mon ordinateur va recaler les notes pour qu'elles soient exactement à la milliseconde près dans le tempo, ce qu'il ne pourra jamais faire. Tu prends le meilleur batteur du monde, si je l'enregistre et que je regarde une grille, vraiment dans l'ordinateur, la grille à cette vitesse-là précise au métronome, à la milliseconde près, jamais il aura quatre caisses claires exactement à la milliseconde près sur le temps. Okay ? Avec les ordinateurs, on peut faire ça maintenant. Et même le meilleur groupe rock du monde qui est anti-ordinateur, je sais pas, Metallica, peu importe, ils sont enregistrés dans l'ordinateur, requantisés, retravaillés pour que le son soit plus pur, plus fort et plus précis, tu vois. Donc la technologie aide à ce que ce soit beaucoup plus régulier. Même pour tous les grands musiciens, quand l'ordinateur a pu se développer, c'était magnifique pour eux, pour le mastering, pour tout, pour caler tous les instruments ensemble beaucoup plus facilement, quoi. Les gens n'étaient pas obligés d'être là aux mêmes heures, quoi. Ils pouvaient faire des prises différentes, tout coller ensemble. Ouais, c'est pas pareil, quoi. Ça a tout changé. Ah oui, l'ordinateur a vraiment révolutionné, mais la musique en général, en effet. C'est pas uniquement cette musique-là. L'apparition vraiment
des studios embarqués avec un ordinateur, trois petites boîtes et maintenant tu peux faire quelque chose alors qu'avant il fallait une pièce entière remplie de synthétiseurs, c'était très compliqué à régler, c'était jamais le même son. Donc ça a apporté énormément. Alors ça peut avoir aussi apporté un peu trop de facilité. C'est des fois on perd un petit peu l'âme dans certains cas, puisque maintenant le copier-coller, on refait les mêmes choses en copier-coller. Chose qui n'était pas possible à l'époque, enfin en tout cas il y a quelques années. Mais globalement, ça a quand même énormément apporté à la qualité du son aussi. Parce que lorsqu'on écoute les premiers morceaux et ce qui sort maintenant, en dehors de la musique elle-même, la qualité sonore a vraiment fait des énormes progrès. Donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir des aigus bien nets, des grosses basses. Alors qu'il y a quelques années, c'était un petit peu... étouffé, c'était des qualités qui étaient beaucoup moindres, on va dire. La musique, c'est des mathématiques. Depuis Bach, qui composait des fugues et toccatas en lançant des dés, jusqu'à notre époque, où on est capable, à la milliseconde près, de régler l'écho d'un son, ou combien de temps va durer la réverbe, de simuler des églises, des cathédrales ou des petites pièces comme si le son était joué dans cette pièce-là avec la réverbération sur les murs et tout. La technologie aide forcément à la précision dans ce genre de choses. Et pour toi, est-ce que la démocratisation du coup de la composition, le fait qu'on peut composer chez soi beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années, ça a apporté quelque chose de positif ou de négatif ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour justement ces styles de musique ? Ou est-ce que ça a justement fait en sorte de rendre la chose moins... Ouais. moi, je pense que globalement, c'est quand même positif. Forcément, ça donne accès à... Mmh. À l'époque, ça coûtait tellement cher, les machines, que c'était vraiment élitiste. Quoi. Mmh. D'un autre côté, effectivement, si tout le monde y a accès, les gens vont moins mesurer la valeur de l'investissement qu'on doit y mettre. Quand on achète un synthé, qu'on travaille pendant une année pour pouvoir se l'acheter, c'est pas pour travailler. Quoi. Si on a accès à tout maintenant avec des BST gratuits, tout le monde se dit producteur. Forcément, il y a de la qualité qui peut en sortir moins bonne. Mais globalement, c'est quand même positif, je pense, puisque plus il y a d'approches différentes, plus on découvre des choses différentes et nouvelles. Et ça n'empêche pas qu'il y a toujours des puristes, entre guillemets, qui vont avoir envie de maintenir un certain niveau. Je pense, alors il y en a qui disent oui, la mondialisation, puis tout le monde maintenant, puis il y a trop de quantité et tout. Moi, je pense qu'au final, c'est génial, quoi. N'importe qui peut avoir des supers idées, les mettre sur Internet. Tu mets ton idée sur Internet et demain, t'as un mec en Inde qui va écouter ta musique, quoi. Alors évidemment, pour qu'il te trouve, il va falloir user de stratagèmes. Mais c'est comme ça qu'on construit une carrière. Bah, déjà, grâce à Internet et les ordinateurs, ça a pu se partager dans tout le monde entier. Donc voilà, évidemment, Internet, hein, que ça soit la trance ou quoi que ce soit d'autre. Hein, enfin, quand tu arrives à lancer un courant musical ou que ce soit, je sais pas, une mode ou quoi, bah, grâce à Internet, ça se diffuse partout. Donc maintenant, là même, en ce moment même, ce qui est vraiment à la mode, c'est la trance psychédélique, mais en Amérique du Sud, c'est en train de pousser partout comme des champignons. C'est un truc de fou. Et ce qui est vraiment bien aussi, voilà, c'est que ça peut se développer, mais par contre, à contrario, comme il disait, c'est que tu as beaucoup trop de gens qui ont la possibilité d'être DJ. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme dans tout style, tu vois, tu as autant de gens bien qu'autant de gens qui sont pas bien. Et plus c'est facile de faire de la musique, plus il y a n'importe qui va en faire et plus ça va devenir n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il faut, faut un peu faire gaffe à ce qu'on fait, quoi. C'est dommage ça aussi, ne pas ruiner un art, quoi. Ce serait un peu con qu'on en vienne à là. Enfin, je veux dire qu'on en vienne, ce serait tout le monde ensemble, hein. C'est pas un DJ plus qu'un autre, quoi. C'est le fait qu'il y ait tout le monde qui s'intéresse à tout et qui puisse tout faire trop facilement, quoi. Grâce à Internet, en fin de compte. Ou à cause d'eux, on verra plus tard. C'est ça. On verra plus tard.
ça a enlevé le côté élitiste qu'il pouvait y avoir dans la création musicale au départ. Avant, des DJ, des livers, t'en avais quoi? T'en avais un ou deux dans ton sac d'amis. Maintenant, t'en as 10 et t'en as un ou deux qui ne le sont pas, tu vois. Et c'est comme ça, c'est que tout le monde peut dire je suis DJ s'il achète un truc, un contrôleur sur internet, voilà. Tu l'achètes toi. Ouais. Après, tu prends des tracks gratuites et tu mixes et... Tu vois, tu peux te dire être DJ, même si tu ne le seras pas forcément techniquement parlant, quoi. Mais n'importe qui peut se ramener maintenant et dire je suis DJ, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est pas donné à tout le monde de faire de la trance psychédélique, d'arriver à bien caler ses morceaux, ou que ça soit d'autres styles, mais d'arriver à faire une bonne sélection et que ça passe bien, quoi. Ouais, ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est la façon de raconter une histoire au travers de la musique. Ouais. Maintenant, c'est accessible à tout le monde, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Donc, il y a eu une révolution vraiment à ce niveau-là, c'est que maintenant, pour moins de 1000 euros, bah, t'as de quoi faire de la musique, être DJ, enfin, voilà, il y a tout. Là, et en plus, si tu commences à utiliser de la musique gratuite, ce genre de choses, voilà, tout le monde peut être DJ, tout le monde peut créer maintenant. Donc, comme tu disais, un bon côté, un mauvais côté, parce qu'il va falloir faire le tri entre justement tous les gens. Mais globalement, je pense que c'est très positif, parce que ça incite la créativité de tout le monde. Après, voilà, faut faire le tri. C'est ça, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est aussi l'avantage maintenant, à notre époque, voilà, un ordinateur, tu peux avoir des synthés virtuels pour pas cher, hein. Un truc comme ça, ça coûte bon, pas cher, tout est relatif, évidemment. C'est mon métier, donc je considère que quand je dépense 150 euros pour acheter un synthé et qu'avec ce synthé, là j'ai commencé un morceau où je l'utilise juste ce synthé pour tout, je considère pas ça cher pour un truc professionnel par rapport à un synthé comme ça qui coûte 2500 euros. Mmh. Tu vois, donc c'est vraiment accessible à tout le monde maintenant et n'importe qui peut se découvrir des talents de musicien sans avoir eu la chance d'avoir des leçons de musique étant petit. Voilà. Et c'est ça l'avantage et la force de la musique électronique, quoi, je pense. Le problème, c'est que voilà. Alors, l'avantage, tout le monde peut en faire. Le problème, bah, n'importe qui peut en faire. Et comme maintenant, à notre époque, avec, il n'y a même plus besoin de chercher un label. Tu as fait ton morceau, tu vas sur Beatport, Bandcamp, n'importe bon beat. Tu vas sur une plateforme sociale, tu mets ton morceau à vendre, puis voilà, ça y est, tu as un morceau sorti. Donc, il y a une espèce de... Maintenant, les réseaux sociaux et tout ont changé la donne dans la musique, et dans tous les genres de musique, trans compris, quoi. Donc voici le studio Morphonique. Donc principalement, ça va être ici que l'on va créer nos musiques, aussi bien en création pure ici qu'en atelier DJ, je dirais, qui est le côté un peu plus à gauche. Il y a beaucoup de logiciels maintenant disponibles sur le marché pour créer de la musique. C'est vrai que historiquement, je suis attaché à Cubase. Donc logiciel allemand depuis très longtemps, qui existe depuis très longtemps. Voilà, donc ça va être le logiciel que l'on appelle le séquenceur et qui va nous permettre justement d'empiler les sons et de créer des sons, que ce soit via des boucles, via des sons extérieurs ou via des synthétiseurs directement embarqués dans l'ordinateur. Bon, c'est de la musique, donc comme on a dit plus tôt, c'est divisé sur une grille musicale qui est à la milliseconde près exactement au tempo, en l'occurrence ici à 142 BPM. Et donc, très précisément, je place mes notes où je veux, et en gros, ici, c'est la vélocité de la note, donc la force avec laquelle j'appuie sur la note. Et ça, c'est pareil, le meilleur pianiste du monde, si tu veux, même une seule note, il pourra appuyer toujours pareil, ce ne sera jamais exactement la même pression.
Ouais, moi, je peux faire exactement la même pression, ce sera exactement toujours le même volume. Alors, c'est pas pour dire que c'est meilleur qu'un pianiste, hein. C'est deux choses différentes, mais c'est pour dire que dans la petite compétition humain-ordinateur, l'ordinateur sera toujours gagnant en niveau précision. Après, on perd le côté humain, c'est un autre débat. Alors, il n'y a pas d'élément vraiment spécifique, c'est plutôt un ensemble de sons qui vont créer une ambiance. Moi, c'est vraiment sur le ressenti. Comme je suis pas, j'ai pas fait des études de musique poussée ou ce genre de choses, je vais plus travailler sur le ressenti des choses et des sons et le mélange. C'est-à-dire, le son tout seul va paraître pas génial, mais ce son combiné à d'autres sonorités vont créer quelque chose, un feeling, une atmosphère, et c'est ce genre de choses que je recherche. Après, évidemment, il y a des contraintes techniques, c'est-à-dire il faut un kick bass suffisamment efficace pour faire danser les gens, ce genre de choses. Donc de toute façon, la partie de création des sons, le kick, la basse qui tourne en permanence, ce genre de choses, le break qui va suivre, ça fait partie des choses indispensables au niveau de la création. Alors la construction du morceau classique, il n'y a pas de méthode, hein. Je veux dire, c'est comme le rock, on ne peut pas dire il faut faire quatre fois ça, puis... Mais bon, en gros, on a une intro, ça part, on fait monter petit à petit. Un point un peu culminant dans la première partie pour arriver sur un break où là, waouh, et puis là, on fait monter un gros machin et ça part en pétant. Donc souvent, le morceau va partir sur ce genre de sonorité. Déjà, de créer quelque chose, le kick, la basse, les charlets. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Hein. La musique reste quand même du feeling et certains morceaux sont créés à partir juste d'une ambiance sonore que l'on a entendue par exemple dans un film ou quelque part et que l'on va recréer et à partir de là tout va se mettre en place, se construire brique par brique. Et c'est pour ça qu'on est si structuré en carré comme ça et tout, que c'est de la musique. Alors pour le profane ça veut rien dire, mais pour le musicien il va comprendre tout de suite, on est vraiment en 4-4 en général. C'est-à-dire que voilà, chaque mesure, il y a 4 temps, donc c'est 4, 16, 32, 64, 128, hein, voilà. Les gens qui comptent, qui ne se sont pas encore rendus compte de ça, qui écoutent de la musique électronique, comptez chez vous, 1, 2, 3, 4, 5, à 32, ça change. Où il y a un truc nouveau et tout, voilà, c'est par carré. Pourquoi ? Parce que nous, quand on mixe le morceau d'après, tu vois, il faut aussi qu'il s'insère et que les mélodies aillent ensemble. Enfin, il faut que tout parte en même temps, hein. ce serait pas beau sinon. Et donc, c'est vrai que notre format musical est assez comme ça. Alors maintenant, on est libre, hein, le break du milieu, je peux le mettre au début, je peux ne pas en mettre, on fait ce qu'on veut, évidemment. Mais voilà, pour faire le cliché du morceau trans-psychédélique, en gros, c'est ça. Donc ça c'est une production. Donc ça c'est une production d'ici, mais en utilisant justement des ambiances de films. Bon, c'est un vieux morceau. Ouais, mais là on entend le truc direct. Ouais. Et voilà, c'est le truc un peu lancinant et entraînant, comme ça. Là, vous pouvez entendre des distorsions, voilà, il y a aussi une voix qui est slicée. Toujours des noise, des sons qui tournent comme ça. Alors, c'était un peu l'ambiance... comme je suis sur ce morceau-là, par exemple, je suis parti sur le sample du film. Et donc ça parle de magie noire, donc c'était un côté un petit peu comme ça, une ambiance un peu de magie, oppressant mais pas trop oppressant, je suis pas fan des grosses oppressions, mais un petit côté sombre, inquiétant. Et donc c'était un peu cette idée-là que j'essayais de retranscrire dans le morceau, avec la voix, les noises, les sons qui tournent derrière. C'était pour... évoquer la magie noire. C'est ça, c'est qu'en fait le psychédélisme, quand tu l'écoutes, c'est assez agréable parce que ça fait un peu vriller le cerveau, t'as envie de tortiller ton doigt, tu sais pas trop comment. Tu laisses la musique un peu te guider quand tu pars dans le psychédélisme. Alors le sample, ça permet de jouer
un bout d'audio sur le clavier. Et par exemple, tu vas faire un son de trompe, tu mets un son de trompette. Ok, c'est un do. Ben moi, je vais le mettre dans mon sampler sur un do. Et ben ça y est, j'ai toutes les notes. Il est dans mon sampler, j'ai un do, j'ai un ré, j'ai un sol bémol. Et j'ai plus qu'à jouer et j'ai ce son de trompette. Tu as fait une note et avec cette note-là, j'ai pu générer toutes les autres notes de cette trompette. Encore une fois, hein, là, on fait facile pour que ce soit compréhensible. Mais en gros, c'est ça. Donc maintenant, je peux jouer n'importe quel son sur mon clavier. Alors le sampling, ce qui est génial, c'est voilà, je suis dans un film, hop, je sais pas, allez, tu regardes Prison Break, et puis là, il ferme la grille de la prison, ça fait... Et là, la réverb, elle est belle, c'est le gros machin, et là, il n'y a plus qu'à tuer. Hop, je peux sampler. Et là, dans mon morceau, j'ai un... qui est vraiment balèze et tout, tu vois, ça, c'est du sample. Donc, ça, c'est un logiciel que j'aime beaucoup d'un ami français. C'est un logiciel français, c'est un logiciel modulaire en fait. C'est des petits modules qu'on connecte entre eux. Et ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas dans les logiciels, enfin, pas aussi facilement dans les logiciels classiques, on va dire. Ça permet de se bricoler ces petits outils. Et genre, moi par exemple, j'en avais un peu marre de rentrer mes notes à la souris pour mes leads, les synthés un peu travaillés. Donc, j'ai acheté ce petit boîtier là, qui en fait, c'est une caméra infrarouge. Et ça permet de, là on voit que en fait ça reconnaît la main dans l'espace 3D. Donc là par exemple on voit qu'il y a, ma main qui est reconnue et suivant si je la bouge en X, je vais pouvoir récupérer la valeur qui bouge en Y. Donc on choisit les valeurs qu'on veut et ça nous permet de les relier en MIDI qui est le format standard de communication entre les logiciels. Et donc ça c'est Live, c'est le logiciel que j'utilise principalement pour composer. Là je vais le relier à un synthétiseur par exemple. Là j'ai un synthétiseur et quand je vais tourner les mains on voit que ça agit sur les effets. Et donc par exemple on peut voir ce que ça donne, c'est... Donc là si je bouge en X, je vais avoir la longueur, la fréquence, des effets et donc c'est plus intuitif, on va dire, pour composer qu'écrire des notes à la main. Donc j'essaie petit à petit de me fabriquer des modules comme ça pour m'aider dans la composition. Finalement, chaque son, t'imagines que chaque son ici, chaque ligne, c'est des sons différents. Peut-être que sur chaque ligne, il y a plusieurs sons en plus qui tous dessinent des fréquences. Là, on peut les voir, mais c'est surtout des fréquences qu'on entend. Et ben, en fait, il faut que mathématiquement, ces fréquences s'encastrent entre elles pour que ce soit joli et que ça crée une harmonie. Et c'est ça, la musique. Donc là, je sais pas, on peut écouter peut-être ce que ça donne. Voilà, donc là c'est trié par catégorie de son, le beat par exemple, les ambiances. Bah, moi souvent je sépare, je commence par, ça dépend, mais la partie rythmique. Souvent le kick bass déjà en soi c'est assez dur, c'est assez long à trouver un bon kick bass. Donc ça je le travaille dans un autre logiciel que je montrerai tout à l'heure. Et une fois que j'ai ça, je vais souvent chercher une banque de leads. Les leads, c'est ça, par exemple. Les sons un peu synthétiques, cachés. Je vais essayer d'en faire pas mal avec le synthétiseur, là. Je vais remplir la mémoire d'on va dire une cinquantaine de sons. Et une fois que j'ai assez de matière, je viens tout assembler dans le temps. Comme ça, je passe pas du temps à me dire « Ok, j'ai mis un son, faut que j'en cherche un autre. » J'ai déjà une banque de sons préparés. Et après, il y a les ambiances, les voix. J'aime bien, pour une chanson, trouver un thème ou une petite idée. Donc, ça part d'un sample ou d'une voix. Là, par exemple, c'était les voix bulgares là, qu'on entend un peu au début. Je sais pas si je vais les trouver, mais bon. Si je mets que les ambiances, il y a ce genre de choses, d'atmosphère. Ça va me définir un peu le style global de la track, quoi. Et après, bah, c'est passer du temps à les mettre dans le temps, dans l'ordre, rajouter des effets, séquencer, quoi.
Moi, je suis pas, on va dire, le meilleur pour en parler. Enfin, on va dire le meilleur en la matière, mais en fin de compte, si, peut-être, parce que ça fait depuis plus de 15 ans que la plupart de mes potes que je vois et tout ça en ont pris, en prennent ou quoi. Ça, je sais ce que c'est. Moi, j'en ai jamais, jamais pris. Donc, j'ai pu voir des gens en prendre et voir comment ils étaient, mais j'ai jamais j'ai jamais passé de l'autre côté, quoi. Donc, en fin de compte, je suis pas très expert pour en parler vis-à-vis des drogues. Après, je sais que ça circule énormément dans tous les types de soirées, que ça soit trance, que ça soit rock, que ça soit rap. Partout, dans tous les milieux, il y a des drogues. Mais c'est vrai que dans les soirées psychédéliques, la plupart des drogues, c'était des psychotropes. Faut définir trance. Trance, ça veut pas dire non plus qu'ils sont très loin, mais à partir du moment où tu laisses ton esprit vagabonder pendant que tu danses, t'es dans une certaine transe. Je veux dire, si tout d'un coup, pendant que tu danses les yeux fermés comme ça, le DJ, il y a un gros crr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 
Après, est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas, ça regarde que toi, hein, c'est ça le truc. Hein, ça devrait... Oui, c'est un choix personnel, ouais, c'est ça. De toute façon. Il y a un rituel qui est utilisé dans certaines tribus qui s'appelle le tarantulisme, qui, y a beaucoup d'explications là-dessus, mais il y a une des pratiques qui est faite dans le tarantulisme, c'est de se faire piquer par une araignée et de résister à son poison en étant dans un état de transe grâce à la musique. Est-ce que pour toi, la musique a un tel effet sur le corps humain? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Je pense que... Non, enfin, moi, ça m'est arrivé d'observer que je pouvais danser, si le son me plaisait vraiment, je pouvais danser vraiment longtemps, à dépasser vraiment avoir des performances physiques que peut-être j'aurais pas en temps normal. De là à dire que c'est ça protège ou je sais pas. Mais oui, ça stimule en tout cas. Mmh. Oh putain. Tu te chépères à quoi toi ce soir? L'araignée n'y ouais. pas. Mais on retrouve un peu cet esprit-là, oui, dans les... Après, oui, les gens qui vont s'oublier complètement, soit naturellement par la musique et la danse, soit par l'usage d'autres produits. On va retrouver ce genre de cérémonie. Parce que là, ça va être le cas d'une araignée au sein d'une possession chamanique. D'autres chamans vont utiliser, je ne sais pas, des crapauds, des lianes d'Amazonie, ce genre de choses. Mais ça a toujours existé dans toutes les cultures. Donc voilà, maintenant, c'est électronique. Que ce soit l'iboga en Afrique, le peyote au Mexique, le San Pedro au Brésil, il y a toujours eu des drogues psychédéliques, à commencer par la marijuana, tout simplement. Hein, les fleurs du mal, j'y reviens. Bon, c'est des drogues dites psychédéliques, entre guillemets, limite, enfin hallucinogènes même, c'est quand même assez lié. On peut parler Huxley, les portes de la perception, c'est de ça dont il parlait. Hein, le LSD couvre les portes de la perception. C'est vrai qu'on voit des images et tout ça. Encore une fois, que les artistes de musique psychédélique, pas seulement trans, même de rock psychédélique, essayent de reproduire, en tout cas dans leur musique. Ça a été de tous les temps. Alors, c'est vrai qu'à notre époque, on a tendance à prendre les drogues psychédéliques d'une manière récréative en soirée, alors qu'avant, c'était quand même une étape dans la vie d'un adolescent, le rituel du passage à l'âge adulte, etc. Donc le rituel de la tarentule, que je ne connais pas, finalement n'est pas différent de n'importe quel autre rituel dans d'autres tribus, d'autres continents, qui prennent... Alors, le mot poison, j'ai eu une discussion avec un ami argentin à ce sujet-là. Le mot poison, finalement, c'est ton mot à toi que tu as choisi d'utiliser, et on dit que voilà, notre corps combat le poison et tout ça. J'ai un ami qui a, encore une fois, une vision très différente. Pour lui, en mangeant des champignons, on fait une offrande à notre corps qui, pour nous remercier, va créer ses hallucinations et faire notre voyage. Donc c'est la même chose, le même effet, une approche différente. C'est que des mots, encore une fois. Moi, je suis très... Tu sais, ma mère est prof de français, donc les mots sont importants. Ah, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si elle a réellement apporté quelque chose, à part pour les gens qui l'écoutent.
C'est pas comme le hip-hop qui a été un phénomène de rue, tu vois, ou le rock quand c'est apparu. Alors, il y a des similitudes. Le rock, quand c'est apparu aussi, les parents, ils étaient contre, les journalistes étaient contre, c'était la musique du démon. Ah, laissez pas vos enfants aller dans des concerts rock. On a eu la même chose avec les rêves, il y a eu la même chose avec le hip-hop, il y a eu la même chose avec le Charleston dans les années 30 quand ils dansaient dans des caves. Donc, à toute nouvelle musique, il y a toujours un mouvement contre, des gens qui ne la comprennent pas parce que c'est trop nouveau et c'est normal. Et puis quand mon fils il me fait écouter des trucs, par exemple, dubstep au début, quand ça arrivait, j'avais du mal, tu vois, c'est quoi ce truc, on ne peut même pas vraiment danser dessus. Puis j'ai... Et au final, étant donné que je fais de la musique électronique, j'ai quand même analysé le truc et waouh, voilà le boulot, quoi. Tu vois, et maintenant, respect à mort. Mais au début, quand ça arrive, tu ne connais pas, tu dis, c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Bon, bah, ça, c'est ce qui est un peu arrivé avec la trance. C'est rapide, il y a des sons d'extraterrestres là-dedans, c'est bizarre. Et puis de toute façon, c'est simple. Je veux dire un truc, quelqu'un qui suit les règles, il fera jamais rien de nouveau. Ok, si on te dit non, c'est comme ça qu'il faut mixer, hop, si tu fais pas autrement, sinon ça va pas, ça c'est, tu ne mets pas plus fort. Attends, moi si dans ma tête j'ai envie de le mettre plus fort, parce que voilà, bah, peut-être que ça va créer un nouveau style. Si j'ai envie de mettre un pied sur deux, peut-être que ça va créer un nouveau style. Ça va créer un nouveau style. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai envie de que ce soit pas répétitif, mais que ça change tout le temps, bah, peut-être que ça va créer un nouveau style. Si tu te cantonnes sur les règles, et là, on parle pas seulement de musique, on parle de la vie. Si tu te cantonnes à juste les règles qu'on t'a données et que tu veux pas voir ce qu'il y a, sans aller très loin, on parle pas de choses dangereuses, voir ce qu'il y a derrière ces murs, bah tu feras jamais rien de nouveau. Ce qui est pas mal, en fin de compte, c'est que notre vision est un peu plus imposée, on va dire, est plus diffusée à tout le monde. Donc, en fin de compte, la transpsychédélique, c'est pas mal, quoi. C'est que ça arrive à démocratiser petit à petit les courants électroniques, comme l'électro, comme la house qui est déjà bien ancrée dans les soirées d'un peu bobo ou tout type. Hein, mais la transpsychédélique, en fin de compte, je pense que ça fera de plus en plus s'ouvrir les gens vers les styles électroniques underground. De même, en fin de compte, tu vois. C'est qu'il y a pas mal de jeunes à l'époque, tu vois, ils étaient là, bah, c'était plus le rap, le reggae, tout ça, tu vois, il y a 10 ans, c'était ça, quoi. Mais c'était beaucoup plus dur de tomber dans un milieu trans. Ou un milieu, par exemple, teuf, que maintenant, tu sors du lycée ou quoi, ouais, tu fais quoi, sors ? Ah bah, je vais en teuf trans ou je vais en teuf tech et tout ça, c'est beaucoup plus démocratisé, quoi. Donc oui, bien sûr que ça a apporté à la société, quoi, c'est beaucoup plus ouvert maintenant. Oui, on retrouve d'ailleurs maintenant pas mal de sonorités trans ou pseudo-trans. On va les retrouver dans des productions... classique, de plus en plus de musiciens s'inspirent des sonorités ou des répétitions. Le fait d'avoir un son de synthé qui va tourner en boucle derrière, ce genre de choses, on ne voyait pas dans les productions commerciales. Avant, ouais. Ouais. Et là, depuis quelques années, ça, de plus en plus, dans les films également. Ça va très bien avec des ambiances dans les films. Il y en a de plus en plus qui est utilisé. Nous, on en a eu des films où on a utilisé la musique morphonique. Donc je pense que ça enrichit de cette manière-là les autres courants. À la manière également, la trance se nourrit des autres courants, mais nourrit également tout ce qui est un peu commercial. Donc c'est positif, je pense, le fait de fusionner un petit peu comme ça tous les différents styles. Maintenant, un artiste de pop, il va avoir un petit son acide derrière qui tourne. Ah, c'est vrai. Hein. C'était impensable il y a quelques années. Ouais. C'est quand même une musique, je trouve, qui a amené à sortir un peu de la routine habituelle. C'est une musique qui est souvent associée à un lieu, à un week-end, à une fête, à quelque chose. Donc ça apporte un peu une libération quand même d'esprit, je trouve. Donc on est quand même une musique qualifiée d'underground. Je ne connais pas l'équivalent vraiment en français. Je crois que tout le monde comprend underground. Hein. On est voué à le rester. Mais on est un underground professionnel, c'est-à-dire qu'on a quand même des professionnels autour de nous qui font que notre musique sonne bien. Non, moi, ma définition, je l'ai déjà dit, mais oui, ma définition de la transe, c'est vraiment l'abandon collectif. C'est de se perdre au milieu des gens et d'être connecté avec des gens que l'on va peut-être jamais revoir, mais au moment où on partage cette musique,
Il y a un sentiment de connexion avec les gens. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec d'autres styles musicaux. Donc après, ça c'est chacun à sa sensibilité, mais je trouve que ça fait vraiment partie de ce style musical. La trance, psychédélique ou pas, c'est une musique un peu marginale. Et je suis le premier à le regretter, puisque hein, sinon ça marcherait beaucoup mieux pour moi et peut-être que je te recevrais dans un manoir. Mais c'est pas mon but en même temps. Sinon j'aurais changé de style et je ferais autre chose. Mais on est voué à rester underground et à jamais devenir mainstream. Et ça me va très bien finalement. Je suis bien content, on est libre. Le public qui écoute de la trance, c'est quand même un public super cool par rapport à d'autres publics. C'est des gens cool, ils sont là en teuf, pas pour draguer, pas pour dépouiller. Ils sont là pour danser, être entre potes, se réunir tous les week-ends. Et c'est ça que j'aime là-dedans. Et c'est pour ça que voilà, bah, ça fait 25 ans, bah, j'en attends plus du double. Bon, voilà. Au moins 25 de plus encore.